bonjour à tous. J'ai décidé de partir. J'ai proposé cette solution à mon président, qu'il a accepté. Si j'écoutais simplement ma détermination et mon caractère, je resterais. Mais par contre, si j'écoute un peu le bon sens et la raison, je pense que c'est bien d'arrêter l'aventure maintenant. Pourquoi ? Parce que je crois énormément en ce projet qui est porté par des gens remarquables. Son actionnaire Franck McCourt, son président Jacques Henry qui est à mes côtés, et Andoni Zubizarreta, son directeur sportif. Et je pense que j'ai, en 2 ans et demi, fait partie de cette première partie de projet, et que pour le bien du projet, je pense que c'est mieux qu'on se sépare maintenant et que j'arrête maintenant. Pour l'instant, peut-être que je me réfugie dans la préparation du match contre Montpellier, justement, pour ne pas penser à autre chose. Après, les moments d'émotion, ils sont là, parce que mes joueurs viennent me voir les uns après les autres dans mon bureau, mon staff vient aussi, des administratifs sont venus me remettre des petits cadeaux, et en fait, l'émotion, elle est dans ces moments-là où on ne peut plus se cacher, et on ne peut plus penser à autre chose. Donc, dans la vie, c'est les rapports humains qui comptent, c'est ça le plus important. Donc, voilà, et les moments difficiles, on les oubliera et on les laissera derrière. Deux fois, dommage, c'est question pour moi, c'est dommage. La fin d'une aventure et ses émotions. L'émotion. Les plus passionnés la considèrent essentielle au football. À l'OM, elle y est décuplée. En 3 saisons sur le banc olympien, Rudy Garcia a pu s'en rendre compte. Le premier entraîneur de l'ère, Franck McCourt, a goûté à la folie de l'Europe made in Marseille. Les hauts et les bas d'un championnat parfois injuste. L'exigence et la folie d'un stade dévoué à l'écusson. Une passion d'où peuvent naître d'improbables retournements de situation. C'est vrai que la saison dernière, 77 points, c'est incroyable que ça ne nous donne pas la Ligue des Champions. Et puis une finale de Coupe d'Europe, c'est quand même rare dans une carrière. Mais je pense que le véritable exploit, c'est la première saison. C'est le fait d'avoir fini 5e et de s'être qualifié pour l'Europa League la première année. Parce qu'on était parti de loin, parce que les joueurs étaient très très inquiets quand je suis arrivé. Le club aussi, on parlait plus de peur de relégation que de Coupe d'Europe à la fin de saison. Et là aussi, j'ai gardé... Des beaux souvenirs, et celui de Baffé en est un, puisque c'était mon capitaine. Et c'est dommage qu'il soit parti, mais ça fait partie de la vie. Et j'oublie pas surtout que cette Coupe d'Europe, un peu complètement inespérée, au bout de 6 mois, ça nous a ouvert une finale de Coupe d'Europe, donc c'est là où c'était magique. Hiroki, Douillet, Louis et Thomas, c'est la défense. Morgan, Kevin et Lucas, c'est le milieu. Dimitri et Valère, c'est l'attaque. Vous êtes avec Johan. Terminer 5e au printemps 2017 était un exploit. 2 ans plus tard, cette 5e place est décrite comme un échec pour une équipe dont l'objectif était le podium de Ligue 1. Avant le dernier match de cette saison, l'OM n'est d'ailleurs que 6e. Mais il peut encore gravir une marche en battant Montpellier. Le match de la 38e journée de Ligue 1 est préparé avec sérieux, même si certains articles prétendent le contraire, parlant d'absence de mise en place tactique, alors qu'elle a bien lieu. Les gars, les particularités sur les centres, comme à Toulouse. Ce serait bien qu'on puisse centrer plus entre la défense et le gardien au sol que aérien pour Mendes, Congré et Hilton qui sont bons de la tête. D'accord ? Ok. Sans l'air bleu ! On continue à dévier les premiers. On joue pas l'air, point des 5-50. Allez, on y va. Ouais,
Voilà, t'as pas besoin de l'enlever beaucoup. L'entraîneur marseillais connaît les règles. Voilà, bien joué, c'est rien. Gaz, pas là. Être impopulaire quand les résultats ne suivent pas est un classique de la profession. Passer pour quelqu'un de froid en conférence de presse pour préserver l'essentiel en est un autre. On ne peut pas donner son vrai visage en conférence de presse parce que parce qu'on ne peut pas divulguer des choses du vestiaire ou des approches tactiques par rapport au match ou à l'adversaire. On est obligé souvent d'être assez neutre, et assez neutre effectivement c'est pas toujours très, très sympathique, mais c'est comme ça, c'est le jeu, c'est pas... Le plus important, c'est ceux qui me connaissent vraiment, et puis les autres, c'est moins important. Ce qu'il faut, c'est garder droit dans ses bottes, garder sa ligne de conduite, et puis encore une fois, je crois beaucoup en ce projet, donc je pense que quelqu'un d'autre le mènera bien dans les prochaines semaines, voilà. Et est-ce que vous ouvrirez autant vos portes dans le prochain club? Je ne sais pas, c'est pas sûr. On a fait beaucoup ça, mais c'est grâce aussi à vous, parce que on a appris à se faire confiance, et donc du coup c'est quelque chose que j'avais jamais fait et qui est aussi une belle expérience. Au moins ça a donné un autre visage que celle de, on va dire, rigide de la conférence de presse. À cœur ouvert, Rudy Garcia et ses joueurs s'en vont écrire la conclusion d'une aventure qu'ils espéraient plus heureuse. Reste le souvenir des belles choses accomplies, dans un milieu où tout va très vite, dans un sens comme dans l'autre. Célébré pour sa dernière apparition à l'Orange Vélodrome, Rolando en sait quelque chose. D'éléments décriés d'une lutte pour le maintien cauchemardesque en mai 2016, à héros d'une demi-finale de Coupe d'Europe 2 ans plus tard, le défenseur en est le parfait exemple. Son inébranlable sourire, son professionnalisme et son but historique à Salzbourg l'ont fait entrer dans la légende. Ah, c'est déjà. Dernier match, c'était bien, c'est ça le plus important. Non, je suis constant, t'inquiète pas. Christo. À l'aube d'un été qui annonce plusieurs changements, on ignore les visages que l'on croisera à nouveau dans ce vestiaire et ceux qui n'y seront plus qu'un souvenir. Allez, 3 minutes, allez ! Chacun aimerait qu'on se souvienne de lui de façon positive. Pour des raisons différentes, ils le mériteraient tous. Mais à l'OM, il n'y a qu'une manière d'entrer dans l'histoire. Il y a 2 ans contre Bastia, les Marseillais s'étaient imposés 1-0 pour arracher la 5e place. Le score sera le même ce soir, mais cette fois, point de billet pour l'Europe à la clé.
inscrivant son 16e but de l'exercice. Florian Thauvin aura confirmé jusqu'au bout son statut d'homme fort dans l'équipe de Rudy Garcia. En 3 saisons, il aura signé 59 buts et 38 passes décisives. À la fin du match, les embrassades, les mots d'encouragement marquent la fin d'une aventure commune. La présence de Bafé Gomis dans les couloirs du stade vient symboliser la fin d'un arc narratif. La dernière page d'un chapitre, mais pas la fin d'une histoire. Déjà, vous avez fait le boulot, les gars. Voilà, on avait une place à récupérer. Au minimum, on ne pouvait pas faire mieux et on l'a récupérée. Donc c'est comme vous l'avez fait plein de fois depuis 32 mois où je suis là. On a gagné plein de fois ici dans cet Orange Vélodrome, plein de fois. Donc ceux qui vont rester là la saison prochaine, vous allez encore gagner plus de fois. Ça sera dur parce qu'on a gagné plein de fois. Mais gagnez encore, ok? Et soyez ensemble, c'est ça qui compte les gars. Vous avez tous des grandes carrières à venir. Demain les deux jeunes, il faut que vous sauviez la CFA, parce que ça c'est vachement important. Et un grand merci à tous. Voilà, ceux qui étaient là au début et ceux qui sont arrivés cette année, y compris le staff. Moi je pense, je suis comme ça moi. Il faut garder les choses positives dans la vie. Et des choses positives ici, non seulement vous m'en avez donné, mais moi j'ai fait des belles rencontres. Voilà. Ce qui compte, c'est ce qu'on a fait entre nous. On n'a pas tout fait bien. Ce qu'il faut que ça vous serve, les gars, ça c'est important. Et pas spécialement de l'année dernière. L'année dernière, c'était tout fantastique. On a vécu une finale de Coupe d'Europe, c'était juste génial. Le seul truc incroyable, c'est qu'avec 77 points, on n'est pas joué avec des champions cette année. Mais cette année, elle doit vous servir plus que tout, les gars. Pourquoi? Parce que, je vous l'ai dit et je vous le répète, vous n'avez jamais lâché. Et vous n'avez pas lâché au moment le plus dur. C'était au moment où Bordeaux est venu là et que c'était le huis clos. Là, vous n'avez pas lâché, on a gagné 5 matchs de suite. Ça veut dire que dans votre vie, vous ne lâcherez plus jamais. Quoi qu'il arrive, privé ou professionnel. Chapeau à tous, merci pour ce que vous avez fait pour moi.
is Mario Balotelli. You better subscribe. Click here.